Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif les études de gestion à TSM. Je suis Isabelle Solé-Laporte, maître de conférence à Toulouse School of Management et responsable de plusieurs niveaux de licence à l'Université Toulousain Capitole. En fait, c'est en octobre 2017 que l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, est devenu Toulouse School of Management. Cette dénomination a pour objectif une orientation de l'école vers l'international. Mais toutefois, nous bénéficions d'une grande expérience, puisque l'IAE de Toulouse existe depuis 1955. TSM est donc une école de gestion à l'Université Toulousain Capitole, et TSM, dans son cœur de métier, reste avant tout un enseignement supérieur public et de recherche. Pour reprendre le mot de notre directeur, Hervé Penant, TSM a pour objectif de former des managers responsables et entreprenants ouverts sur le monde. TSM, 3000 étudiants, alternants et stagiaires. TSM, 30 parcours de master. TSM, 20% d'étudiants en mobilité internationale. TSM, c'est aussi 21 000 membres au sein du réseau des diplômés. TSM, 70 enseignants-chercheurs. Et quelques chiffres sur l'employabilité. TSM, c'est aussi 81% de taux d'insertion à 6 mois, qui passe à 95% de taux d'insertion à 18 mois, avec 86% de CDI. TSM, c'est avant tout une équipe pédagogique internationale de haut niveau. TSM, c'est aussi un réseau mondial d'alumni avec nos anciens diplômés. TSM, et en ce sens c'est remarquable, c'est aussi 3 formations accréditées IPAS. IPAS est un label international qui garantit pour des parcours académiques, licence, master, l'excellence et l'ouverture sur l'international. Et TSM, bien sûr, c'est une vie étudiante riche en termes d'associations et de junior entreprises. TSM, c'est une école tournée vers l'international. Nous avons plus de 70 universités partenaires à travers le monde, plus de 10 formations internationales enseignées en totalité ou en partie en anglais, et bien sûr aussi 8 doubles diplômes avec des universités en Europe et en Asie. TSM, ce n'est pas que l'international, c'est aussi une école proche des entreprises. Pour preuve, le nombre d'intervenants professionnels qui interviennent en licence, en master et en doctorat. C'est aussi de nombreux contrats de stage et de contrats d'alternance qui sont signés avec des entreprises locales. En bref, une école de gestion dans une grande université, c'est TSM. Une petite définition très simple. La gestion est la mise en œuvre des ressources de l'entreprise, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, en vue d'atteindre des objectifs préalablement fixés, comme le chiffre d'affaires, le part de marché, dans le cadre d'une stratégie déterminée. Souvent, la notion de gestion est confondue avec celle de management d'entreprise. La différence est très simple. La gestion, c'est davantage tout ce qui est quantitatif, comme la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion, alors que le management va être davantage dans une optique de relation. Management des relations humaines, management de la relation client, management des achats, par exemple. L'offre de formation à TSM est répartie sur 5 grands départements qui, en fait, correspondent tout simplement aux grandes fonctions de l'entreprise. Stratégie, marketing, finance, ressources humaines et comptabilité. Notre offre de formation peut prendre plusieurs formats. Des formations initiales d'excellence, des formations en alternance pour allier théorie et pratique en entreprise avec des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Et puis comme toujours, dans l'histoire de l'IAE, une offre de formation continue pour se former tout au long de la vie, se réorienter par exemple. L'offre licence à TSM propose plusieurs niveaux. Tout d'abord, le niveau L1-L2, gestion, tout simplement pour donner des bases à nos étudiants pendant leurs 2 premières années à TSM. Ensuite, il y a plusieurs niveaux en L3, 8 niveaux précisément, qui vont s'orienter vers des spécialités. Une L3, comptabilité-contrôle, pour tous les métiers du chiffre, qui compte environ 90 étudiants. Une L3, management, très généraliste, qui compte, elle, 175 étudiants. Une L3, marketing, 100 étudiants, qui s'orientent vers les métiers de la vente. Une L3 qualité, sécurité, environnement sur toutes les problématiques actuelles liées à l'environnement. Une L3 banque, finance, assurance pour tous ces métiers spécifiques au monde de la banque. Une L3 lead management et qualité. Et puis enfin, une L3 achat et logistique. Enfin, une originalité aussi dans notre offre, c'est un partenariat avec la faculté de droit
et Toulouse School of Management pour une licence en 3 ans droit et gestion qui donne aux étudiants qui sont sélectionnés dans ce parcours, un parcours très sélectif, 2 licences, une licence de droit et une licence de gestion. À noter que depuis la rentrée 2021, TSM propose un parcours international de la licence gestion, le Bachelor of Science in Global Management enseigné entièrement en anglais. TSM s'appuie sur un processus sélectif, soit après le bac via Parcoursup, soit après une L1 ou une L2 via un portail e-candidature, qui est un portail où toutes les candidatures sont dématérialisées. Pour information, la licence 1 de TSM est la plus sélective de France en 2019-2020 sur Parcoursup. Vous voulez rentrer à TSM en première année. Vous devez faire votre candidature sur Parcoursup. L'effectif est de 175 étudiants. Nous avons, comme je disais précédemment, bien évidemment des critères de sélection. Les premiers critères qui vont être regardés sont des critères académiques, à savoir vos résultats en classe de première, en terminale, dans les matières suivantes, mathématiques, français, histoire-géographie, économie, anglais. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi regarder votre projet de formation qui doit être structuré et motivé. Et puis bien évidemment, vous n'êtes pas que des lycéens, vous avez aussi des activités en dehors de votre vie scolaire, donc il nous importe aussi de connaître vos activités et vos centres d'intérêt. Comment rentrer en deuxième année à TSM? Vous allez déposer votre candidature sur le portail e-candidature. L'effectif de la L2 gestion est de 150 étudiants. Les critères de sélection, il faut tout d'abord bien sûr être titulaire de 60 crédits. 60 crédits, c'est ce que vous obtenez quand vous avez fait une année diplômée dans l'enseignement supérieur. Ensuite, nous allons regarder vos résultats académiques en première année, puis une lettre de motivation structurée, convaincante, qui montrera un vrai projet professionnel. Et puis, toujours pareil, quelles sont vos activités et centres d'intérêt en dehors de votre vie étudiante. Et si vous êtes déjà en L1 à TSM, vous aurez un accès de plein droit dans la L2 TSM. Comment candidater en troisième année à TSM? Vous devez tout d'abord déposer votre candidature sur le portail e-candidature. Quels sont nos critères de sélection? Il faut bien sûr que vous soyez titulaire de 120 crédits, à savoir les 120 crédits que vous aurez obtenus après 2 années d'études diplômées. Les résultats académiques en L2 et même en L1 sont très importants. Vous devez rédiger une lettre de motivation convaincante pour nous expliquer votre projet professionnel. Nous regarderons aussi avec attention les activités et les centres d'intérêt qui sont les vôtres. Bien sûr, vous candidatez en troisième année, donc on peut supposer que vous avez déjà de l'expérience professionnelle, de l'expérience associative à travers des stages ou des boulots d'été. Ceci est très important. Et puis, n'oublions pas la dimension internationale de TSM, nous regarderons votre niveau d'anglais. Et toujours, un accès de plein droit pour les étudiants qui sont déjà à TSM en deuxième année. Le Bachelor of Science in Global Management est une formation de 3 ans après le bac, enseignée entièrement en anglais. Très sélective, avec des promotions d'une 50aine d'élèves par an, la formation s'adresse à des candidats français et internationaux. Les étudiants y évaluent de manière critique différentes situations de commerce international dans un contexte de diversité culturelle. Après la licence TSM, plein de portes s'ouvrent à vous, notamment les masters que vous pouvez suivre à TSM. Nous avons de nombreux masters à TSM, finance, management international, management des ressources humaines, marketing, management stratégique, comptabilité, contrôle audit, contrôle de gestion et audit organisationnel, droit et gestion, management du sport et achat. Après TSM, un grand boulevard s'ouvre à vous pour rentrer dans l'entreprise. Vous pouvez avoir des postes à responsabilité dans toutes les grandes fonctions de l'entreprise, responsable RH, responsable finance, responsable des achats, responsable marketing, dans de très très nombreux secteurs, aéronautique, milieu médical et autres. Pourquoi Toulouse? Toulouse est, comme vous le savez, la capitale européenne de l'aéronautique et de l'aérospatiale, avec par exemple des grands comptes comme Airbus ou le CNES. Mais Toulouse, c'est aussi une métropole européenne de la recherche et de l'innovation avec de nombreux laboratoires de recherche. Et puis, comme souvent, Toulouse est encore cette année, d'après le magazine L'étudiant, la ville préférée des étudiants. Pourquoi TSM? TSM, vous l'avez compris, vous offre une véritable opportunité d'internationaliser votre parcours.
TSM, c'est aussi une très très grande facilité pour trouver un stage et un emploi. Mais TSM, on l'a dit, relève de l'enseignement supérieur public. Les frais de scolarité sont justes. Vous paierez 170 euros par année de licence. Et puis, TSM, c'est étudier et vivre à Toulouse, avoir la chance d'être un étudiant au cœur de la ville rose. Et ce que nous souhaitons tout simplement, c'est que vous ayez la nostalgie de vos études à Toulouse si vous n'avez pas, comme moi, la chance de travailler à Toulouse. Alors, n'attendez pas, retrouvez-nous très vite sur notre site web et avec un petit clic sur tous les réseaux sociaux où nous sommes présents. À bientôt !